31 septembre 2023. Cher journal, aujourd'hui est un grand jour et je suis trop contente. Papa est revenu à la maison, enfin ! Maman était de bonne humeur. Elle a même préparé un gâteau, mon préféré en plus. J'étais contente d'avoir sourire. Ça n'arrive plus trop depuis que papa doit partir. Quand il est rentré, il lui a fait le plus gros câlin de toute sa vie. Et on a rigolé de ses histoires. Je suis tellement heureuse qu'on soit une famille comme avant. Papa doit partir. Septembre 2023. Aujourd'hui, on a joué à cache-cache toute la journée. Ça n'arrive pas souvent. Astrid, où est-ce que tu es cachée ? Où es-tu ? Il est même venu me voir dans ma chambre pour me faire un cadeau. Une lampe torche qui peut illuminer jusqu'au pôle Nord. Il m'a dit qu'il utilisait la lumière pour communiquer entre soldats en mission. J'ai un cadeau pour toi, pour que tu te rappelles que je reviendrai toujours. Il m'a dit que si je faisais le signal avec sa lampe, il trouverait toujours le moyen de revenir vers moi. Il a juré son petit doigt. Novembre 2023. Papa et maman se sont disputés dans la cuisine. J'entendais maman crier depuis ma chambre. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est mon job, c'est mon travail. Mais c'est pas parce que tu loupes une mission, une seule. Le monde va pas s'écrouler. C'est pas possible. Mais arrête, tu penses à moi ? Tu penses à moi ? Mais oui, j'y pense, mais c'est justement pour vous que je le fais. Tu t'en vas alors ? Quand je suis entrée, papa a voulu me prendre dans ses bras. Mais maman était trop fâchée. J'aurais voulu lui faire un câlin. Il avait l'air tellement triste. Allez, ma puce. De toi. C'est quand papa y rentre. Quand maman est venue me border, j'ai demandé quand est-ce qu'il rentrerait. Mais elle n'a pas répondu. Je crois qu'elle pleurait en allant dans sa chambre. Décembre 2023. J'ai cru que papa était rentré de mission aujourd'hui. J'ai vu sa veste toute jolie, celle avec des taches vertes devant la porte. Madame, sergent Bazinet. Et quand je suis descendue, il y avait un homme qui faisait très peur à la porte. Et maman pleurait. Elle a beaucoup pleuré. Elle n'a pas vu que j'étais là, mais moi je la voyais. Je ne l'avais jamais vue aussi triste. Et j'ai compris que papa ne rentrerait pas à la maison. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il nous aime plus ? Il disait qu'il reviendrait avec le signal de la lumière. Mais je l'ai fait toute la nuit à travers la fenêtre. Et il n'est pas venu. Il a menti. Pourquoi est-ce que les adultes mentent toujours ? Il a menti. 18 décembre 2023. Cher journal, je crois que c'est la dernière fois que je t'ouvre. Qu'est-ce que tu fais, ma puce ? Maman a dit que ce n'était plus de mon âge de passer mon temps à écrire dans mon carnet, que je devrais plutôt le ranger avec les vieilles affaires de papa. T'as plus l'âge, hein ? On va le ranger ? Mais avec les affaires de papa. Mais je ne rangerai pas la lampe torche. J'ai promis à papa de la garder et de veiller sur elle. Je suis sûre qu'un jour il finira par répondre à mon appel. Il l'a promis.
J'ai pas le choix, c'est comme ça. Bien sûr que si, on a choisi. Tu penses à moi, tu penses à moi. T'inquiète, ça va bien se passer. Je reviendrai toujours. Il l'a promis, il l'a promis. Cher journal, cela fait bien longtemps que je ne t'ai pas ouvert. J'en avais oublié ton existence. On ne pense plus aux choses comme l'art et l'écriture quand on vit dans ce monde. Et si tu pouvais voir l'état dans lequel il est aujourd'hui, il ne ressemble plus en rien à ce que j'ai connu dans mon enfance. J'aurais dû voir que ça approchait à l'époque. On aurait tous dû. Je crois que mes parents savaient. Ça expliquerait la fin qu'ils ont connue tous les deux. Mon père est mort d'avoir essayé de l'empêcher. Ma mère de ne pouvoir le supporter. Maintenant, je fais partie des dernières qui sont là, encore debout, et luttant pour trouver à manger, de quoi survivre. Je suis revenue ici pour m'isoler des grandes villes, m'isoler d'un monde en ruine. Je dois toujours, quelque part au fond de moi, avoir l'espoir que tout redevienne comme avant. Je m'accroche toujours au moindre signe de ne plus être seule sur cette terre, que quelqu'un vienne briser ma solitude et mes doutes dans un flash de lumière. Back between villages, and everything's still.